Nous sommes sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine. La mairie nous a demandé il y a quelques temps maintenant de travailler sur un projet de 9 maisons en accession à la propriété. Le but étant de vendre à des personnes ayant accès au prêt à taux zéro. Nous avons donc 9 terrains d'environ 400 mètres carrés chacun, tous exposés sud sur l'arrière. Chaque maison est équipée d'une chaudière gaz à condensation avec en toiture 5 mètres carrés de capteurs solaires de façon à produire de l'électricité qui est consommée par le ménage. Donc nous démarrions sur une maison 3 chambres 75 mètres carrés, peinture intérieure et aménagement extérieur compris à 168 000 euros, tout frais confondu. De notre côté, on recherchait sur internet une location, ce qu'on pensait qu'au niveau financier et professionnel, on n'était pas apte à devenir propriétaire. Et on a pris rendez-vous avec monsieur Cyril Renvazé, qui a fait une étude de notre financement et de notre cas, on va dire. Et quand il nous a dit, c'est vrai qu'effectivement que c'était possible, et que sachant sur Vitré, le prix des loyers était peut-être même plus élevé qu'une construction, c'est pour ça que par la suite, on a été tenté en fait. Ça nous a séduit dès le début, quoi. Le projet clé en main, sans avoir de démarches à faire à côté, trouver les artisans. Ce qui m'a saisi dans l'aspect des maisons, c'est déjà de se retrouver dans un quartier où les maisons se ressemblent. Nous, on cherchait quelque chose d'assez simple parce qu'on n'aime pas forcément plus que entre guillemets futuriste contemporain. Après, la taille du jardin aussi, ce qu'on cherchait, genre, quand même un jardin assez important. Et puis par rapport à l'orientation du soleil aussi, en fait. On trouvait que c'était bien orienté en fait. C'est une maison qui ne bouffe pas en électricité ni en quoi que ce soit. C'est vraiment écologique.